Non, je peux pas y aller, moi je vais bouffer un seul truc, je crois. Oh. On est des agriculteurs, on fait pousser au vent. On est trop serré dans la grange, faut plus de place. On va faire une tonne quand même. Une tonne. Une tonne. Qui c'est qui va faire des petits transats dans son petit caca? Ça va les amours. Frère, qui va les garder les gosses? Mais je te les garde moi! Non, surtout pas. Mais si, mais j'ai l'habitude, j'ai fait du cat-sitting. Mais qu'est-ce que tu lui as mis une barre de choix? T'as pu me rapporter ce qui me manquait? Juste si on peut baisser d'un ton. Attends mec, tes gosses c'est pas mon problème, tu veux que je leur donne ça en plus? Non, vraiment non, il a déjà mangé en plus, mais c'est adorable, merci. Ouais. Non. Donc tu vends de la drogue, tu vois plus tes enfants, c'est clair? Dans ces cas-là, tu dis à ta famille, tu quittes le business. Ah, ils veulent pas quitter le business. Mais tu leur fais à l'envers. Je fais comment? Tu dis, Zaman, il y a une bande rivale qui est sur vos côtes et tu les fais flipper. Ah, bien, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien la bande rivale. Putain, je sentais, ça nous pendait au nez cette histoire! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un corbeau éventré sur notre paillasson, ça fait flipper personne? Pas une corneille, plutôt ça. Oh, c'est pire, putain. Mais dans la merde. Corneille! Le chanteur! Vivre chaque jour comme le dernier! C'est sûr, c'est une menace et très certainement d'une bande rivale. On n'a pas le temps. Ça va mal finir cette histoire. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Ah, ok, on est dans la merde. Ouais, il faut trouver une solution. On passe plus tard pour vous présenter l'orthophoniste, t'es d'accord? Je préférerais que tu me présentes ta bite. Bah, plus tard. Désolé, Camus. Non! T'es un idiot, Joseph. On est une famille unie, comme nous. On est intouchables. Non, rien nous arrive. Vous avez tous débloqué? On n'est pas en train de faire du soja bio, là! Non, 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 non